Nelson Montfort souffle ses 70 bougies ce dimanche 12 mars. Le talentueux journaliste sportif partage la vie de Dominique depuis 35 ans. Ensemble, ils ont eu deux filles, Isor en 1984 et Victoria en 1988. L'aînée est plutôt discrète sur les réseaux sociaux. Journaliste comme son père, elle a néanmoins fait parler d'elle en mai 2017 pour son mariage avec un certain Erwan Le Razavet, un expert comptable d'origine bretonne. Les deux tourtereaux se sont mariés à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Et ce n'est autre que Victoria, la sœur cadette, qui a immortalisé l'union des jeunes mariés. Pour honorer les terres d'Erwan Le Razavet, le jeune couple s'est religieusement marié en juillet 2017 dans un petit village du Finistère, à Locmaria-Plouzané. Plus connectée que sa sœur, Victoria Montfort est très active sur les réseaux sociaux. Selon les informations de Télé Loisirs, la jeune femme possède un blog, Something About Victoria, où elle partage avec les internautes sa passion pour la mode. Dessus, elle se décrirait comme une actrice et influenceuse française, folle de voyage et parisienne depuis toujours. Car, oui, la petite dernière s'est déjà trouvée devant la caméra ou sur les planches d'un théâtre. Les spectateurs ont pu la découvrir dans le film Babysitting ou dans la comédie Amour sur place et à emporter. En 2010, elle a présenté la télé-réalité L'Académie des Boulets sur W9. Elle joue actuellement dans la pièce Moi je joue au Théâtre du Marais, à Paris. Côté vie privée, elle est devenue maman d'une petite Nala en décembre 2021. Jade et Joy Hallyday, leur évolution physique, un papa fier de ses enfants modèle en mai 2022, Nelson Montfort s'était confié sur son rôle de père dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs. Le journaliste sportif n'a pas caché sa profonde tendresse pour ses deux filles, « Je suis là pour les aider, les aimer. Je n'ai jamais été un papa sévère. » Il admet avec une fierté non dissimulée qu'Isor et Victoria ont été des petites filles faciles à vivre, des enfants modèles. Il se trouve qu'Isor et Victoria n'ont jamais eu de problème de discipline ou autre. Ce sont des filles extrêmement gentilles. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Guérec Coadic.